Je traque les hommes le long des couloirs. Je les entraîne dans un wagon du métro et le jeu continue. Tout se passe par hasard, comme si nous ne pouvions jamais décider de rien. Tout bien pensé, ceci nous préserve des mérites et des fautes. Tout commence lorsque, pour la première fois, tu te retrouves à accepter d'être palpé, à laisser cette intrusion se faire sans protester, maintenant une contenance proche du plaisir. Mais ce n'est pas encore du plaisir. C'est difficile à définir, inutile à définir, comme tout ce qui est lié à notre partie animale, la plus honnête, la plus innocente. Je me lève et je vais m'asseoir au dernier rang. En général, ils suivent la chaleur. C'est une question d'échange d'énergie. C'est seulement de la chimie, même en surface, en dehors du métro. Ici, en bas, par contre, je me sens à l'aise, plus près de la terre. J'adore tout ce qui est artificiel et passager. Dans le métro grouille une vie qui me donne de l'électricité. La torpeur des corps amassés semble seulement un hors-d'œuvre de ce qui t'attend. Personne ne m'a jamais contraint à rien. Aucun homme n'a décidé pour moi. Pas même mon père. À dire vrai, je ne me souviens pas exactement de la première fois. Je tends à me confondre, je mélange les détails. Je me limite à collectionner les plans de métro des villes. Vous pourriez mettre les plans dans les annales si ça vous chante. Chaque plan correspond à un rapport, au plus. Le sexe a ses raisons animales. Nous, petits hommes, nous nous offrons le goût de quelques variantes pour nous sentir quasiment vivants. Nous nous racontons que c'est une chose sale. Uniquement pour la rendre plus excitante et moins gymnique. Le reste, vous l'imaginez ou vous pouvez le visionner sur les enregistrements des caméras de surveillance. Ce sont des fantômes, des visages en miroir sur les vitres. Les semer est ensuite facile, presque cruel. Ils essayent toujours de me ramener à la surface. Une comme ça, aussi élégante, doit être présentée aux amis, emmenée au cinéma. On peut imaginer de longues fiançailles, ou quelque chose de plus en plus solide et mourant.